Bonjour à tous, bienvenue sur max25.be. Nous sommes en direct de Spa-Francorchamps, vous pouvez le constater. Et le rendez-vous incontournable de Spa-Francorchamps, c'est évidemment la Formule 1. Donc nous avons le plaisir d'avoir invité quelques entreprises à travers max25 et à travers la société fondatrice. On rappelle qu'il y a la société Davin, dans laquelle vous avez derrière moi la réception qui a été organisée, et le point de chute qui est très connu, d'autant plus pour moi, puisque c'est à mon privé. Donc voilà, très heureux de vous retrouver ici. On va faire l'interview d'une ou deux personnes pour savoir un petit peu le bon moment qu'ils ont passé, puisqu'il faut quand même savoir au niveau confort que nos invités étaient placés en Gold 1, ce qui n'est quand même pas négligeable, c'était placé directement en face des box. Donc voilà, le Grand Prix vient de se terminer, on va faire un petit tour. Vous allez très certainement voir également la réception qui a été organisée en soirée sur le même lieu. Donc on a fait une soirée entre les entreprises et les partenaires de la Formule 1. Donc voilà, une communication assez conviviale, assez constructive, où on a également l'occasion et la réalisation de placer des entreprises de plusieurs tailles, et nous allons faire un exercice extraordinaire, sera de placer les sociétés plus petites et peut-être en représentation avec les plus grandes. Donc voilà, vous me suivez un instant, on va aller voir une personne qui est dans le domaine, entre autres, pneumatique, sujet d'actualité évidemment au niveau de l'équipement d'une Formule 1. Peut-être pas lui le fournisseur, mais peut-être donner peut-être une approche sur la recherche pneumatique. Voilà, à tout à l'heure, on va suivre notre petit parcours. Nous sommes sur le feu de l'action, c'est qu'à le dire ici à Spa-Francorchamps pour le retour des Formule 1. Le Grand Prix vient de se terminer, ce qui fait une circulation quand même relativement dense. Et nous avons notre premier invité aujourd'hui, c'est Monsieur René Evrard, qui fait partie du groupe VP Group, c'est le cas de le dire. Alors VP Group, c'est le pneumatique, ce n'est pas que le pneumatique. C'est également la vente de camions, principalement le pneumatique, également quelques stations diesel d'essence, et tout le secteur diesel automobile, la location également de camions, de camionnettes. Et alors ça se trouve sur quel secteur? En fait, on sait que vous avez un point d'accroche ici sur Verviers, mais ce n'est pas que Verviers, c'est l'origine VP Pneus Verviers? L'origine c'est Verviers Pneus, c'est VP Group, c'est Verviers, et aussitôt sur toute la Wallonie, et également avec des associés du côté de la néerlandophone. Alors on croit savoir que vous êtes un fan de Formule 1, alors la journée aujourd'hui ça s'est passé comment? Je voudrais voir tout le temps de pneus que j'en ai vu changer ici aujourd'hui, et tout irait bien pour VP Group. Voilà, c'est un peu ça. Rien qu'à voir le soleil, il fonde, donc c'est ce qu'il nous faudrait pour vendre beaucoup de pneus, nous autres. Donc voilà, bah écoutez, ça fait un grand plaisir de vous avoir, de vous avoir avec nous. Et alors, est-ce qu'il y a VP, est-ce qu'il y a un nouveau produit, est-ce qu'il y a une nouvelle voie de VP Group qui pourrait sortir prochainement? Il y a une information? Mais disons, nous autres, on a ouvert dernièrement VP Bierzec, comme on dit, le grand parking camion qui est pour nous un peu tôt, qui va être un parking sécurisé pour 200 camions d'Isoire Bierzec. On pourra vraiment abandonner les camions, c'est surveillé par caméra et tout. Et tout ça forcément un coût. Et ça, c'est un petit peu, disons, l'avenir de VP Group, la grande trottoir, comme on l'appelle. D'accord. Et là, c'est un garage tout à fait extraordinaire, un garage en arc de cercle tout à fait extraordinaire, où il y aura d'ailleurs une réunion d'entreprise Max25. Donc voilà, on se retrouvera tout à l'heure pour notre soirée. Un tout grand merci d'être venu, une bonne fin de journée.